insertion orbitale imminente. Insertion orbitale réussie. Enfin, nous sommes au-dessus du mont Olin. Sa silhouette bosselée m'est déjà familière. Depuis longtemps, il y a, posée à côté de mon lit, une vieille photo prise en 2001 par Mars Observer. Ensuite, je l'ai plaquée au-dessus de ma couchette dans le spationnef qui nous a menés jusqu'ici. Et aujourd'hui, par le hublot, je vois la même chose que sur la photo. On est presque arrivé. Entrer dans l'atmosphère. Et moi, je suis le géologue de cette équipe d'exploration, fonçant à la rencontre du plus haut volcan du système solaire. Nous survolons la Valles Marineris. À notre arrivée, à l'aveugle, dans la purée de pois rouges, pas de comité d'accueil, pas de banderole, juste une des célèbres tempêtes de poussière martienne, de celles qui soufflent sur des milliers de kilomètres, balayant les grandes plaines désertiques, puis s'engouffrant dans les profonds canyons de la Valles Marineris, long de 5000 kilomètres. Cette tempête ne semblait pas trop violente, mais elle nous avait surpris. On avait choisi d'arriver pendant l'été, lorsque les tempêtes se font rares. Nous arrivons en bas du mont Olympe. Mais avec des moyennes à moins 30 degrés, c'était râpé pour le maillot de bain. En fait, c'était ça le comité d'accueil de Mars. Une jolie tempête, histoire de nous mettre tout de suite dans l'ambiance. Finalement, nous avons atterri. Enfin, non, amarci en douceur. Comme Tintin sur la Lune, à la rétrofusée. La classe. Nous voici arrivés sains et saufs sur un sol ferme et immobile dans le silence martien. Ça nous repose, après 4 mois dans les craquements inquiétants de la carcasse de notre spationnef. L'atmosphère, ici 100 fois moins dense que sur Terre, ne conduit presque aucun son. Aussi, dans l'espace pressurisé de notre camp boomerang, résonnent peut-être les premiers sons depuis très longtemps. En tout cas, les premières voix humaines au pied du mont Olympe. Il y a du brouillard. Ouf. Pas d'animaux. Rien. Bon. Si c'est tout ce qu'on a à se dire, c'était peut-être pas la peine de venir jusqu'ici troubler le silence martien. Chacun d'entre nous sait très exactement pourquoi il est ici, si loin de chez lui, en train de pique-niquer au milieu d'une tempête de minuscules poussières rouges. Nous sommes ici pour tester nos capacités d'adaptation à cet environnement hostile et préparer le terrain à l'exploration détaillée de Mars. On est là, avec nos rêves et nos scaphandres. Là, c'est moi, Charles, je suis géologue, spécialiste des volcans. J'ai déjà crapahuté sur un grand nombre de volcans sur notre bonne vieille Terre, mais jamais aussi loin de Paris et Los Angeles, mes deux domiciles. Je rêve de trouver des beaux cailloux pour comprendre l'histoire du volcanisme martien. Mes compagnons de cordée, puisqu'il va falloir grimper, sont tous là. Lui, c'est Steve, un grimpeur chevronné, guide dans l'Himalaya. C'est le chef de l'expédition. Avec lui, je me sens plus en sécurité. Il doit rêver de se confronter à ce nouveau défi. En plus, ce coup-ci, il est vraiment certain d'être le premier à gravir cette montagne. Darlene est exobiologiste. Sous son air gentil, elle s'intéresse à de minuscules animaux fort peu fréquentables et je perçois son excitation d'être ici pour chercher les premières traces de vie hors de notre planète. Ses rêves doivent être peuplés de rubans d'ADN et de fossiles de bactéries qui dansent la gigue avec un protozoaire. Si jamais on trouve une amibe, il faudra lui faire un massage cardiaque. Elle a déjà participé à de nombreux tests en scaphandre et autres matériels barbares. Là, c'est ses vacances en Arctique, en camping avec ses copains de la Mars Society. Et voici Brian, grand baroudeur anglais. Il a déjà grimpé 3 fois l'Everest, soit en additionnant la hauteur du mont Olympe. Mais ce coup-ci, Brian, il faudra le faire en une seule fois. Prêt ? Lui, il doit rêver de rencontrer Flash Gordon en bivouac sur les parois du mont. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il regardait par le hublot pendant le voyage, il espérait le voir nous faire coucou de sa fusée.
On a juste croisé des pelletées de cailloux célestes et des torrents de rayonnement cosmique mortel. Heureusement, nos réserves d'eau disposées dans la coque ont arrêté les rayons baladeurs. Quel régal! La dernière fois que j'ai mangé de la nourriture comme ça, c'était en Antarctique. C'est bien passé? Ça s'est bien passé, je sais pas, c'est très longtemps. Parce que je me suis tapé une fracture ouverte à 4002. Comment t'as descendu? Bah, on a pu. On a mis 16 heures, on était que tous les deux. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu une grosse tempête. Et voilà. Voilà. C'est comme on dit en Antarctique, ça jette un froid. Catherine est championne dans sa catégorie. La grimpe. Quatre fois championne du monde, même. Elle a aussi ouvert de nombreuses voies en solo. Son rêve, une belle grimpe. Mais surtout, nous amener là-haut sain et sauf. Et revenir chez elle, retrouver son petit fiston. Mais ça, c'est une autre histoire. Et le sixième personnage de notre aventure, c'est lui, le Mont Olympe, la demeure des dieux martiens. C'est un volcan extraordinaire. C'est d'abord le plus grand volcan vraiment du système solaire. Il fait 22 km d'altitude, il fait 600 km de large, il recouvrirait pratiquement toute la France. C'est un volcan qui, pour atteindre une telle taille, est très vieux. Pendant des centaines de millions d'années, du magma est monté du manteau et s'est empilé progressivement, couche après couche, pour faire un grand bouclier. Est-il encore actif aujourd'hui? On n'en sait rien, sans doute que non. Mais certains endroits ont l'air quand même très jeunes. C'est un volcan sans doute de basalte, comme Hawaï sur Terre ou La Réunion. Il faudra aller voir. Mais bon, je parierai sur le basalte. Allez, une tequila. Vous trouvez ça peut-être un peu inutile, venir jusqu'ici au pied du Mont Olympe et gravir ces 22 km pour chercher des cailloux ou des traces de bactéries. Mais c'est comme un immense rébus, et chacun dans sa spécialité cherche des indices pour répondre à la même question. Y a-t-il de la vie ici, sur la petite sœur de la Terre? Et en filigrane, on cherche la réponse à la plus grande des questions. D'où venons-nous? Comment la vie est-elle apparue sur la Terre? Alors ça vaut bien le coup de casser des cailloux, malgré l'éloignement, malgré les risques. Bon, qu'est-ce qu'on fait après avoir découvert son nouveau bungalow au bord de la mer? On s'habille et un petit tour pour se dégourdir les jambes après 300 millions de kilomètres d'autocar. Je pense que je vais aller voir le chenal de lave que j'ai repéré et prendre un échantillon. Stop! Bon, au fait, on est où? Si vous avez séché les cours de géographie martienne au lycée, quelques infos sur notre nouveau Home Sweet Home. Mars est la quatrième planète du système solaire. Son orbite est plus irrégulière que celle de la Terre, ce qui provoque un climat très instable. Ici, on pèse un tiers de notre poids. La gravité est plus faible que sur Terre, car Mars est plus légère et plus petite. On est quand même trop lourdeau pour faire des sauts de kangourou comme sur la Lune. L'atmosphère est très ténue, composée surtout de gaz carbonique et d'un tout petit peu d'azote. Pour tout arranger, les UV ici sont très agressifs. Conclusion, scaphandre obligatoire. Un pôle nord et un pôle sud, ça vous vous en doutiez. Au sud, de la neige carbonique en surface. Au nord, plus intéressant pour nous, une calotte de glace d'eau, grande comme le Groenland, ornée de magnifiques striures, trace des changements climatiques de la planète.
Mais depuis Polar Lander en 1999 et son scratch magistral, on se pose là-bas avec prudence. L'hémisphère sud est truffé de cratères de météorites assortis de jolis splotches dus à la présence de glace dans le sol. On en reparlera tout à l'heure. L'hémisphère nord a un relief plus varié. Grandes plaines, canyons et hauts volcans, dont le mont Olympe. C'est là que nous avons élu villégiature. Et pour finir, un petit quiz. Ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Réponse dans une minute. Le soleil un peu pâle du début de notre sortie a brusquement disparu pour laisser place à ce que j'ai d'abord pris pour de la brume. On va y arriver, oui. Une pente après une autre. On a l'impression d'aller nulle part. C'est un sacré brouillard. Combien de temps il reste à marcher? Ça peut prendre des jours. C'est pas du brouillard, c'est une tempête de poussière. C'est Brian qui a compris le premier. Mes réflexes de terrien m'ont fait prendre cette purée de pois pour de la brume. Mais ici, la roche a eu 3 milliards d'années pour se fragmenter, se polir, jusqu'à n'être plus composée que de grains minuscules et imperceptibles. Et l'atmosphère, si ténue, porte ses grains à plus de 100 km/h sans avoir la force de nous faire vaciller. Encore une tempête de poussière. Le vent très régulier en l'absence de mer souffle toujours dans la même direction. Il finit par sculpter de magnifiques dunes, comme sur l'image de notre quiz. On rentre au camp ? Oui, ok, on rentre au camp. Il y a de la poussière dans ce vent. Cette fine poussière corrosive, composée d'oxyde de fer, est un vrai problème pour nous. Elle s'insinue dans les plis des combinaisons et grignote les joints d'étanchéité. D'un seul coup, on s'est senti dans un environnement hostile, loin de chez nous et sans oser le montrer. Personne n'en menait large. Je crois que le camp, il est par là. Il faut qu'on avance plus vite. La tempête va empirer et on risque de se perdre. Tout se ressemble, hein, pour moi. Voilà le camp. On est à la maison. On est sauvés. Quelle maison ? Ici ou sur Terre ? Notre maison. Ça tire sur les épaules, hein? Hein? Ça tire sur les épaules. Ah bah, après une journée de marche sur Mars, il est temps qu'on revienne à domicile. On dit qu'on a 2 tirs de poids en moins, mais ça tire quand même sur les épaules. Ça tire quand même parce que on a autant de masse à déplacer, hein? Il y a 4 autres camps boomerang répartis le long de l'itinéraire. Mais celui-là, parce qu'on y a séjourné dès notre arrivée sur Mars, c'est notre chez-nous martien. Il abrite notre équipe mélangée, un explorateur, 2 sportifs et 2 scientifiques, à 300 millions de kilomètres de chez eux. Je n'ai pas spécialement envie de rentrer. Bien sûr, j'ai une famille, mais je suis habitué à partir et vivre à la dure, que ce soit dans une tente de montagne ou comme ici, dans un habitat pressurisé. J'ai pas de problème, je me sens comme chez moi. And a couple of tralalas, that's how we spend each lovely day here in jolly old Mars. It's a And a couple of tralalas, that's how we spend. C'est quoi hachis parmentier? C'est de la purée avec de la viande. Ah, ça a l'air bon. Chacun a repris des forces avant la grande réunion. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu de discuter du chemin pour l'ascension. Nous sommes une oasis de démocratie, alors proposez vos idées. Moi, je pense que nous devrions attaquer par le côté sud-est.
qui suggère de grimper par ce côté-là. Ouais, par là, et ensuite 15 jours de marche, et on arrive à la 15 caméra. 15 jours pour faire 22, 15 jours. À mon avis. Et il y a à peu près 200 km et 300 km, et c'est pas de la tarte. 300 bornes. Brian roule un peu des mécaniques, mais bien sûr, le choix de l'itinéraire a été soigneusement étudié. On va remonter l'énorme coulée de lave de manière à éviter les falaises hautes de 7 km. Il suffira de monter. Un long trekking de 300 km avec une pente à 5%. À peine une étape du Tour de France, sauf qu'on est sur Mars. Notre itinéraire nous permettra aussi d'atteindre une grotte de lave à proximité du sommet. Darlene espère y trouver un environnement propice à la vie, abrité des UV. Catherine et Steve, en bon montagnard, ne sont pas très enthousiastes à la perspective de s'aventurer sous la surface dans les entrailles d'un volcan apparemment endormi. La suite de la discussion n'a pas arrangé les choses. C'est une sacrée aventure. Lorsqu'on atteindra la caldeira, je ne crois pas qu'il faudra y descendre. Quoi? Ce serait une... Non, ce serait une vraie torture d'être sur la crête et de regarder en bas. Si nous descendons, ça rallonge l'expédition et ça nous met en danger. Être allé jusque-là et ne pas descendre dans la caldeira? Forcément, toi, t'es géologue. Je te tuerai. Et qu'est-ce que tu penses trouver au fond? Au fond de la caldeira, et il y a 2000-3000 mètres de dénivelé pratiquement vertical pour arriver au fond, tu as sans doute les laves les plus jeunes de toute la planète. Et ça, il faut prendre un échantillon et ramener sur Terre pour les dater. En plus, c'est peut-être un lac de lave qui s'est solidifié. Je veux voir ça de près. Tu te rends compte, faire tout le voyage vers Mars, se taper toute la montagne et se retrouver à regarder depuis 3000 mètres. Non, on descend. Pour la première fois, j'ai senti une scission au sein de notre équipe. Jusque-là, notre but premier, arriver en bon état sur Mars après 6 mois dans une boîte de conserve, nous avait soudés. Mais maintenant, il y a d'un côté les scientifiques et de l'autre les sportifs. Et les plus prudents, les sportifs, devront modérer l'enthousiasme un peu naïf des scientifiques. Peut-être que la réussite de notre expédition viendra de l'équilibre entre ces deux pulsions opposées, la prudence et la curiosité. Même notre motivation est différente. Eux veulent arriver en haut du Mont Olympe pour accomplir un exploit sportif hors du commun, alors que Darlene et moi, c'est surtout la compréhension de l'histoire de la planète et la recherche de la vie qui nous motive. On est parti se coucher tôt après un bon soir un peu froid. C'était pas une ambiance à aller danser à la disco martienne. En repensant à tout ça, j'entendais Brian tournoyer dans son hamac. Il m'a dit plus tard qu'il avait cauchemardé toute la nuit, en revivant l'entraînement sur Terre à la Cité des Étoiles, un an auparavant. Une histoire de chaise tournante qui ne lui avait pas plu du tout. Étrange, une force de la nature comme lui, avoir peur d'une simple chaise. Je comprends pas. Je comprends pas. La machine tournait. Mais moi, j'avais l'impression de me balancer jusqu'au fin fond de l'univers. C'est vraiment une sensation horrible.
Darlene, Steve et moi avions eu la chance de nous entraîner dans le luxe feutré et high-tech du Jet Propulsion Lab, au soleil de la Californie. Malheureusement pour eux, Catherine et Brian avaient été envoyés à la mythique Cité des Étoiles, plus rustique. Mais ces installations avaient fait leurs preuves. Si l'on survivait à l'entraînement, on était paré pour le temps. Tu te portes bien ? Je suis encore malade d'hier. On va essayer le déplacement horizontal. C'est comme sauter en longueur. Tu vas mettre les genoux comme ça. Voilà. D'abord, voilà. Et hop, tu montes. Oh, voilà, et puis voilà, ce qu'il faut. Voilà. Aïe. Nous avons appris à respecter l'intimité d'autrui malgré la promiscuité, à la japonaise, en évitant tout regard ou question déplacée. Aussi, je n'ai pas demandé à Brian s'il avait rêvé du fameux pantalon à succion, plus encombrant qu'un célèbre cachet bleu aphrodisiaque, mais au même effet sur l'anatomie masculine. C'est le bâtiment de la centrifugeuse. Horrible. Сейчас вы подвергнетесь перегрузке величиной 4,8 единиц. Maintenant, vous allez subir la surcharge de 4,8 G. It's about four men like you on you. Four men. Quatre hommes sur moi. Le but de tous ces engins de torture était de nous préparer aux variations de gravité, pesanteur forte au décollage, puis gravité réduite pendant les 4 mois du voyage. Depuis les débuts de la conquête de l'espace, 2 astronautes sur 3 sont malades lors de leur premier séjour en apesanteur. Et Brian avait dû se rendre à l'évidence dès l'entraînement, il ne serait pas dans le tiers restant, celui des astronautes qui contemplent victorieusement le soleil se lever sur la Terre, mais plutôt dans le camp de ceux dont l'horizon se réduit à un sac en papier et des mains moites. Nos journées sont un peu plus longues que sur Terre. Elles durent 24 heures 37 minutes et s'appellent un sol. On peut faire de la musique ? Du jazz sur Mars, live. It's quite noisy, isn't it? Yeah. Excellent. Super. We can play music. Je suis resté au camp de base pendant que Catherine et Steve, les grimpeurs, sont partis se frotter aux falaises du mont Olympe. En fait, ils veulent voir si ce n'est pas trop difficile pour nous. Et moi, j'ai très envie de commencer à examiner mes premiers cailloux martiens. On va passer par là. On est enfin parti tester le matériel d'escalade en scaphandre et on a vu comment on s'entendait entre nous dans la paroi. C'était délicat et assez dangereux. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas s'envoyer des pierres, quoi. Le gros problème, c'est soit de voler avec une pierre, soit de faire tomber la pierre sur la personne en dessous, soit de faire tomber la pierre mais de couper la corde. Bon. Waouh, le rocher est bon ici. Tu m'entends, Steve ? Ouais, c'est superbe. C'est de la belle escalade ici.
Donc c'était plutôt sympa de la part de Steve de me laisser prendre la tête de la première cordée sur le mont Olympe. Du coup, je lui laisse faire la sortie. Il sera le premier à mettre le pied au sommet. Mars et la Terre sont sortis de la même matière il y a plus de 4 milliards d'années. Leurs atmosphères originelles étaient similaires. Et puis sur Terre, les premiers micro-organismes sont apparus, vivant de dioxyde de carbone, de soufre, de fer. L'oxygène est un poison pour eux. Ces bactéries sont anaérobies. Ensuite, les premières algues ont commencé à fabriquer de l'oxygène, modifiant peu à peu notre atmosphère. Les bactéries primitives ont été obligées de se réfugier dans des environnements isolés, sous terre, sous l'eau, dans la glace. Ici, sur Mars, l'atmosphère s'est raréfiée très vite. Reste à savoir si la vie a eu le temps d'apparaître et jusqu'où elle a pu pousser son évolution à la surface. S'il y a encore des bactéries, elles se sont sûrement installées dans le sous-sol ou dans les grottes. Et c'est la trace de l'une d'elles que j'espère trouver sur un de ces cailloux. Ça ne paraît peut-être pas très excitant comme rencontre potentielle, une bactérie. Ça manque de conversation. Mais moi, cette perspective me met en transe. Le moindre petit bout de machin vivant rencontré ici prouverait que l'apparition de la vie n'est pas un hasard, une coïncidence improbable, mais une tentative systématique. Partout, la vie tente sa chance, essaie et évolue plus ou moins loin en direction de créatures complexes comme l'être humain ou l'ornithorynque. Tout ça pour en arriver là. Des fois, je me demande. C'est bien. Bravo. C'est bon maintenant. Oh, attention! C'est bon, il m'a raté. T'inquiète pas. Tant mieux. Toi, ça va? Ça va, je suis bien. En fait, on a eu plusieurs types de roches. Et c'est de la roche pas très solide. En fait, c'est de la lave qui, quand on la prend, elle peut casser d'un coup. Donc c'est très délicat. Il faut donc appuyer plus que tirer sur ses prises. Et puis il y a d'autres endroits, c'était aussi la lave, mais c'est des gros blocs qui demandaient qu'à partir, comme qu'on peut rencontrer dans du granit, des grosses écailles qui demandaient qu'à partir. Donc là, j'ai trouvé ça assez dangereux. Au début de l'ascension, j'étais assez excitée. J'étais très contente de retrouver la roche et les mouvements d'escalade. Mais bon, je me forçais à être prudente. Plus prudente d'ailleurs que d'habitude. Faut se méfier de ses réflexes et de ses perceptions. Parce que sur Mars, même une chute plus lente, c'est toujours dangereux. Bien organisé là. La corde, c'est bon là? Ok. Là, à un moment donné, j'ai eu un problème avec ma corde qui était neuve, elle a fait plein de nœuds. Et comme je voulais pas. Le rocher n'est pas très solide, j'ai fait un relais qui était. Me semble bon, mais j'avais pas envie de tester trop. Donc, je me suis pas pendue sur les sangles, j'étais toujours en équilibre sur mes jambes à essayer de défaire mes nœuds. Donc, ça m'a pris un certain temps et je commençais à transpirer à grosses gouttes là-dedans. Mais sinon, pour grimper, ils ont bien bossé, ouais. C'est très souple, c'est bien. Tu peux y aller? Non, pas encore. Je mets un autre piton pour plus de sécurité.
Bon, j'y vais. Hey, comment tu fais pour être aussi à l'aise? On dirait que tu te balades. Bon, quel est le plan maintenant? Il est tard. On fixe le rappel et on rejoint les autres pour voir s'ils ont passé une bonne journée à étudier les échantillons. Charles était vraiment impatient de voir ça. Bon, les garçons, vous pensez que vous allez venir dîner? I don't know, it's time to eat. Ben, c'est comme vous voulez, vous venez quand... It's up to you. It's salmon with pasta or... Ah, pâte au saumon ou hachi parmentier. Oh, ça a l'air bon. Est-ce bien normal que les femmes soient au fourneau sur Mars? Oui, bon. Il faut dire, femme, où est montée? Darlene, je vais ronfler ce soir. Le Yeti est là. Je m'en souviendrai pendant longtemps. Tout ce voyage est fantastique. J'espère que je n'aurai pas de perte de mémoire. Je touche du bois. Parce que ces souvenirs, je veux les garder pour toujours et pouvoir les raconter à mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Alors merci d'avoir visité notre home, sweet home. À l'aube du septième sol, on a quitté le camp numéro 1 pour partir à l'assaut du mont. J'ai trouvé un rocher vésiculaire intéressant, Catherine. Il y a eu du gaz. Tu as vu toutes les bulles? Des bulles? Ce n'est pas seulement parce que le champagne me manque. On n'a même pas pu en emmener pour fêter notre ascension. Le poids, toujours le poids. Mais les bulles emprisonnées dans les laves du bas du mont Olympe éveillent ma curiosité. Les bulles sont de précieux indices pour nous autres, Sherlock Holmes de l'espace, comme dans le cas des météorites SNC. Ça, Charles, ouais. Ça ressemble à des cailloux, mais c'est très léger. Ouais, c'est plein de gaz. C'est craché par le volcan. Lorsque ça pète avec beaucoup de gaz, ça monte très haut, ça fait un nuage. Et donc ça, ce sont des cendres, en fait. Ce sont des cendres. C'est plus gros, on dit des bombes, carrément. Des quoi? Des bombes. Depuis le 19e siècle, les scientifiques trouvent sur Terre des météorites bizarres, très différentes des autres par leur composition. Et ces météorites, inclassables, semblaient avoir beaucoup de points communs entre elles. Nous, les scientifiques, on aime bien coller des étiquettes. C'est plus pratique pour le rangement. On a donc regroupé toutes ces étranges météorites dans une même catégorie, les SNC. Elles sont restées bien sagement dans leur tiroir jusqu'à ce qu'en 1997, un petit malin les triture et finisse par trouver une minuscule bulle de gaz caractéristique de l'atmosphère martienne. Du coup, on a changé l'étiquette sur le tiroir en a fièrement écrit « météorite martienne ». Donc, Mars nous postillonne dessus. Sous l'impact d'une grosse météorite, un peu du sol de Mars est envoyé se promener dans l'espace, puis finit par nous tomber dessus, attiré par l'attraction terrestre, quelques milliers ou millions d'années plus tard. J'ai ramassé une bombe! It's a honey. And a couple of tralalas, that's how we spend each lovely day here in Jolly Old Mars. On dirait que ça a été balayé par un torrent. Si on trouve des traces d'activité hydrothermale récente, on prendra un échantillon. C'est capital. Regarde,
Cette tache rouge là-bas, c'est hydrothermal ou peut-être c'est oxydé. En tout cas, il y a eu beaucoup d'eau par là. Allons prendre un échantillon. Oui, d'accord. Effectivement, en prenant un peu d'altitude, on voit bien que le bas du mont Olympe a été creusé, érodé. Mais par quoi ? Olympus Mons débouche en fait sur une ancienne, un bassin qui pourrait très bien être un vieux bassin océanique. Et la falaise, la haute falaise qui coupe à la base Olympus Mons pourrait être un effondrement de terrain. C'est une des théories où tout le pan, tout le côté, tout le versant aurait glissé dans la mer ou en tout cas dans la plaine. Soit de façon sèche, soit de façon hydratée. Et on a des dépôts chaotiques autour de l'Olympus Mons, ce qu'on appelle l'auréole. L'une des théories, c'est pas la seule, mais une des théories, c'est que ce sont des effondrements de terrain catastrophiques. Et on voit ça à Hawaï, les volcans, des pans entiers de volcans s'en vont. Ça part par le moment dans l'océan, par grand éboulement, quoi. Grand glissement de terrain. Ici, sur Mars, il y a une histoire cachée derrière chaque caillou. Ce que j'aime bien, c'est faire parler les images. Vous allez voir. Voici une carte topographique d'après les données de Global Surveyor en l'an 2000. C'est la région du plateau de Tarsis, où se trouve le mont Olympe. C'est un vaste ensemble de volcans, de champs de lave et de canyons qui recouvre la moitié de l'hémisphère nord. En déterminant un niveau de la mer, puis en colorant en bleu tout ce qui se trouve en dessous de l'altitude zéro, voilà ce que ça donne. On voit tout l'ancien réseau hydrographique de Mars qui apparaît et nous révèle la magnifique baie d'Acidalia. Il y a 3 milliards d'années, ça devait ressembler à ça. Et puis quelqu'un ou quelque chose a tiré la chasse et toute l'eau a fichu le camp. Allons faire un petit tour dans Ares Vallis, une belle vallée fluviale qui débouche au sud de la baie. Regardez, le lit du fleuve fait ici 5 km de large sur 200 mètres de profondeur. Il a donc fallu beaucoup d'eau pendant une courte période pour sculpter un tel paysage. Ares Vallis a l'aspect typique d'une vallée de débâcle. Sur Terre, on rencontre ce genre de vallée en Sibérie, où c'est la brusque fonte des glaces au printemps qui libère soudainement des torrents d'eau. Mais que s'est-il passé ici ? Les masses d'eau qui ont sculpté ce paysage devaient être colossales, brutales, comme si des torrents d'eau s'étaient déversés brièvement. Il y a eu un gros problème de plomberie. On trouve des traces de cette mystérieuse catastrophe partout sur la planète. Passage un peu plus pentu. On va y arriver. C'est un chenal de lave. Hein. C'est un espèce de vernis qui a coulé. Ok. Très mince. Ah ouais, ils appellent ça de la lave. Pas hoi hoi. Ouais. En français, on appelle ça de la lave cordée. De la lave quoi ? Cordée. Ouais. Alors comme on est encordé, ça tombe bien. On s'est encordé pour la première fois. On a dû traverser un goulet de lave. Le sol était couvert de scories qui n'attendaient qu'à rouler sous nos bottes et nous envoyer sur les arêtes de lave acérées. Sans érosion, la lave est encore bien tranchante. Doucement, Brian, doucement. C'est très instable. Sous les pieds, oui, mais solide sur les côtés. Ah ouais, là c'est des scories, hein. Ça va être un peu plus... Ça va être un peu roulement à billes. J'ai des vertiges. Du calme, Brian. C'est bon, calme. C'est bon, doucement. C'est bien, Brian. Vas-y doucement, darling. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut, darling. De l'eau a coulé ici à différentes époques, depuis les tout débuts de la planète. L'eau a laissé des signatures bien distinctes, correspondant à 3 grandes périodes de l'histoire de Mars. Il suffit de parcourir le relief comme un grand livre, et Mars nous chuchote son histoire. Au fil des balades, on trouve des vallées ramifiées, vestiges d'une période où l'eau a eu le temps de faire des méandres, de creuser des lits. C'était il y a près de 4 milliards d'années.
et l'eau coulait à flots. Rivières, lacs, peut-être des mers. Cette magnifique vue capturée par Mars Global Surveyor dévoile un ancien delta finement sculpté aux parois couvertes de dépôts sédimentaires. On rencontre aussi des vallées de débâcle, comme Ares Vallis, que nous avons exploré tout à l'heure. Elle nous parle de cataclysmes, de torrents d'eau qui ont bouleversé le paysage, probablement en quelques semaines. Cette inondation est écrite par-dessus les vallées ramifiées. Elle est plus récente, mais difficile à dater et à interpréter. Et enfin, découverte récente et intrigante, des petits ravins, tout frais, tout jeunes, quelques millions d'années, voire beaucoup moins, peut-être hier. Il est probable que l'eau a d'abord coulé en abondance à la surface, avant de s'engouffrer dans les sous-sols, puis de rejaillir une dernière fois sous la forme d'un immense geyser, avant de retrouver la paix, la protection du sous-sol, pour ne plus atteindre que brièvement la surface, maintenant hostile. Il faut penser Mars différemment de la Terre. Seule la surface est morte, sèche. Il faut penser verticalement. La croûte est poreuse, probablement truffée de cavités. Dès quelques kilomètres de profondeur, le sous-sol dépasse 0 degré en permanence. Les conditions pour la vie sont réunies là-dessous, dans les entrailles de Mars. Mais est-elle au rendez-vous? Et sous quelle forme? Y a quelqu'un? Je ne sais pas lequel d'entre nous avait installé le sas du camp numéro 2, mais il avait dû oublier de serrer une valve. Avec 100 fois plus de pression dans notre boomerang qu'à l'extérieur, on pouvait craindre la dépressurisation et l'éparpillement de nos petites affaires et de nous-mêmes dans la riante campagne martienne. Mais heureusement, le boomerang s'est avéré très fiable. Steve. Ouais. C'est quand même chouette d'être sur ce plateau après l'escalade. Regardez ce rocher. On dirait un monstre préhistorique avec un gros nez. On sent pas vraiment la pente, hein, Catherine? Non, ça va, mais... Hein, c'est... Ça va faire quoi? 5 degrés? Un peu plus, peut-être? Un peu plus, quand même. Un peu de plus. Ouais, parce qu'il y a des... Il y a des remparts, par moments il y a des terrasses très plates, et puis ça repart, il y a une rampe, et une nouvelle terrasse, et ça repart, ben là on est reparti. Hein. Aline, il te faudra une bonne crevasse, non? Non, en fait, on peut ramasser des scories en surface. S'il y a de la vie, elle doit se cacher là où il y a de l'eau et un peu de lumière. Mais on ne sait jamais, ça reste à découvrir. Mais ici, c'est bombardé par des UV, non? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, sur Terre, on découvre régulièrement de la vie dans des lieux extrêmes où ça paraissait impossible. Eh oui, je suis d'accord avec ma respectée collègue Darlene. Ces dernières années, sur Terre, on a découvert de la vie en des lieux que les biologistes pensaient stériles. Dans les grands fonds marins obscurs, les bactéries s'installent autour des fumerolles. Elles frétillent dans les lacs acides des volcans, s'épanouissent dans les cuves de centrales atomiques. La vie se faufile, s'adapte. Le seul ingrédient indispensable semble être l'eau. Tout le reste, lumière, oxygène, les bactéries s'en passent. Voici par exemple un de nos colocataires terriens récemment découvert, Strain 121. Les biologistes l'ont surnommé l'imbouillable. Il vit dans l'océan Pacifique par 2 km de fond et à une pression qui nous réduirait en crêpe, sans lumière ni oxygène. Il broute le fer présent dans les sources sous-marines à plus de 120 degrés. À côté de ça, ici, c'est un havre de paix et il se régalerait de la poussière martienne, riche en fer.
on a baptisé ces bactéries tout-terrain extrémophiles, qui aiment l'extrême, un peu comme nous. Ces extrémophiles sont probablement le premier stade de la vie dans le long chemin qui va du microbe jusqu'à Brian. Et si on trouve quelque chose de vivant ici, à mon avis, ce sera plus proche du microbe primitif que de Brian. De la lave, encore de la lave, toujours de la lave. Catherine et Steve sont partis se frotter à une dernière paroi avant le grand faux plat du sommet. Darlene, Brian et moi avons préféré rester sur l'ancienne coulée de lave au relief moins escarpé. On doit se rejoindre sous le sommet, à proximité de ce qui, sur les photos satellites, ressemblait à une grotte de lave. Superbe grimpe. Oui, super. Le pied. Avant de partir, j'en ai profité pour regarder les dernières images de notre sonde d'exploration. Je l'ai envoyée volter de l'autre côté de Mars, sur le haut plateau truffé de cratères de météorites qui couvrent la moitié sud de la planète. Ça ressemble désespérément à la Lune. Manque de chance, les premières photos détaillées de Mars ont été prises de ce côté. Les scientifiques de la mission Mariner 4 ont été très très déçus. On parla même d'abandonner l'exploration martienne. Mais l'intérêt reprit avec la sonde Mariner 9 qui révéla les plaines et les volcans de l'hémisphère nord, et puis la Valles Marineris. C'était plus prometteur pour les cartes postales. La NASA poursuivit l'exploration. C'est un des mystères de Mars. Pourquoi deux hémisphères si différents? La spécialité de la région, c'est le cratère Splotch. Ça fait comme la trace d'une boule de pétanque dans du sable humide. L'eau gelée dans le sol se liquéfie à l'impact de la météorite, pour regeler aussi sec. Ça laisse un splotch. Alors, quelle quantité de glace et d'eau allons-nous trouver dans le sous-sol de Mars? Steve et Catherine sont revenus un peu tristes, leur dernier test d'escalade terminé. Mais dès le lendemain, il a fallu ressortir les cordes et les baudriers. Très loin du point GPS de la grotte. Le parcours semblait sorti de l'imagination sadique d'un créateur de jeux vidéo. Le risque au milieu de ces couteaux de lave, c'est de déchirer sa combinaison et d'être exposé au froid et à la dépressurisation. Cela avait été l'objet d'une longue joute orale entre deux de nos préparateurs scientifiques. Le sang aurait-il le temps de bouillir sous l'effet de la dépressurisation avant de geler ? Ou gèlerait-il d'abord pour se sublimer ensuite en passant directement de la glace à la vapeur? Nous, mal à l'aise, on les avait regardés argumenter chacun sa thèse. Voilà un problème scientifique à la résolution duquel nous n'avions pas envie de contribuer. L'accro coûte cher ici, même si on a à portée de main un kit d'urgence avec des rustines à appliquer sur les déchirures. Alors là, ça, c'est de la magma qui s'est... Ah ouais, ça, c'est de la lave AA. C'est une coulée de lave... assez turbulente, qui s'est mis à rouler en bloc plutôt qu'à couler de façon lisse. Mm-hmm. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui a l'air un peu plus lisse en dessous. Quel calvaire, hein? Pour la prochaine expédition, il faudra prévoir des bâtons de ski pour marcher. La prochaine fois, je veux une plage et un barbecue. Voilà, je vois l'ouverture, juste devant nous. Ah! Superbe, magnifique! Incroyable. 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 Ça va pas bouger? Ah bah, j'espère que non, hein. C'est béant comme trou. C'est plus gros que ce qu'on voyait sur les photos satellites. Ah, dis donc, c'est une sacrée lucarne. Oh là là. Darlene, qu'est-ce que tu penses trouver là-dedans? C'est un super endroit. C'est protégé des UV.
Je ne sais pas ce qu'on peut y trouver. Il faut y aller et prendre des échantillons. Explorer un peu, quoi. Bon, maintenant, soyons prudents. Bon, tout le monde est d'accord pour aller là-dedans ? On va aller voir si on peut passer par le trou de l'autre côté. Juste derrière. Oh, regarde, Charles, t'as vu, c'est tout gris, là. Oh, il est véreux, il garde son teint de jeunesse, hein, sa peau de bébé. Et c'est une lente cordée, on voit bien les cordes. T'aimes bien les cordes, hein, Catherine? Ah, c'est ça, oui. C'est ce que tu disais l'autre jour. Ben voilà, s'il te manque des cordes, voilà. Ah. Ah. C'est un peu friable ici. Oh. Je suis pas rassurée de marcher sur ces trucs. Oui, je sais, c'est toujours comme ça au début. On doit pouvoir descendre par là. Je vais aller voir. Laissez-moi voir. On va mettre une corde ici. Tiens, mets ta main ici et l'autre là. Ok. Laisse-toi descendre. Les deux pieds près de moi. C'est bon. Bon. Tous les deux, vous y allez en premier. Laisse-moi voir. Je crois que je peux sauter. Attends, reste là. Ok, Gabriel. Waouh! C'est comme s'enfoncer dans les entrailles de la Terre. Jules Verne, on arrive. Enjambe la corde, enjambe. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la biologie, hein? C'est ça, c'est ma faute. La prochaine fois, fais une thèse sur les créatures qui vivent à la surface. Sur Terre, alors. Sur la plage. Bien. Voilà. Doucement. Voilà, doucement. Ah, descends tes pieds, doucement. Descends tes pieds. Voilà. Descends tes pieds. Hop. Laisse glisser la corde. Voilà, c'est ça. Voilà, si j'y arrive. Assieds-toi. Je peux pas. Bah, oublie que tu assis. Si. Oublie que tu assis. J'y arrive. Ok. Tu es assuré, tu risques rien. Ok. Attention, reste, c'est bon. Putain de rocher. Voilà. Tu t'es pris pour une chauve-souris? Ouais, tu parles. Non, c'était très bien. T'as juste pas descendu tes pieds assez vite. Tu peux remonter un peu, là? Tu es sûr que c'est sans danger? T'imagines un peu si le volcan se réveillait? J'en ai aucune idée. Pas très rassuré. Je suppose que c'est comme ça depuis au moins 1 million d'années. Et puis si ça s'écroule aujourd'hui... C'est pas de chance. Allons voir. Charles, si tu veux t'arrêter pour prélever des échantillons, tu nous préviens. N'hésite pas. Wow. Dans les entrailles de Mars. Voyage au centre de la... Non, pas de la Terre, mais voyage au centre de Mars. Je croyais qu'on ne ferait que monter. Eh non, c'est une expédition aux facettes multiples. L'endroit était vraiment magique. Une grotte enchantée dans les entrailles d'un volcan martien. À chaque instant, j'espérais que le faisceau de ma lampe croiserait une quelconque créature indigène. Mais la réalité est plus prosaïque. La grotte était récente, trop pour abriter de la vie et probablement pas assez en profondeur. Rien à manger pour Darlene. Mais j'étais étonné justement par l'aspect très récent de cette grotte, pleine de fragiles arêtes de lave. Elle me rappelait celle que j'avais pu voir dans le volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion, dans des coulées vieilles d'à peine 5 ans. Des écoulements de lave récents si près du sommet peuvent être la preuve d'une activité magmatique encore intense. Cela confirmerait que Mars n'est pas une planète morte, mais une planète qui peut encore nous réserver des surprises. Le volcanisme est un élément important pour l'apparition de la vie. Sur Terre, les éruptions contribuent au recyclage du carbone. Sans ce brassage,
l'atmosphère s'appauvrirait au fur et à mesure de la consommation du carbone par les organismes. Ici, un volcanisme actif serait donc un élément de plus en faveur de la vie sur Mars. Elle a pu se réfugier dans des grottes comme celle-ci, mais sans doute plus en profondeur. Bye bye, échantillon. Rendez-vous au labo. Il y a des teintes orange, rouge, violette. On pourrait faire une discothèque là-dedans. C'est prodigieux. C'est peut-être des boules là. C'est des orteils de lave. La lave avance en faisant des petits bulbes sur les côtés. Ouais. Ça fait comme comme une amibe. J'étais très intrigué par les échantillons prélevés par Darlene. Peut-être des cristaux de calcite. Cela prouverait qu'il y a eu de l'eau ici. J'aime bien les premières secondes d'éveil chaque matin. Mon cerveau se met en route comme un vieux diesel et sortant de la mélasse du sommeil, il me hurle « Tu es sur Mars !» Immédiatement, un flot de plaisir coule dans mes veines et aussi de la fierté. Celle de réaliser un rêve millénaire, marcher sur une autre planète. Depuis l'Antiquité, l'homme est intrigué par cette lueur rouge au-dessus de sa tête. Les premières lunettes astronomiques ont permis d'en dresser la carte, de voir les saisons. Mais l'imperfection des instruments d'observation a ouvert les vannes de l'imagination. Mars a ainsi été pourvu d'un réseau de canaux et peuplé de créatures tantôt géantes, tantôt minuscules, mais la plupart du temps vertes, pour des raisons qui m'échappent. Depuis les années 70, on sait qu'il n'y a pas de vie intelligente ici. Personne à qui serrer la main, même verte et gluante. Ce sommet ? Ça a l'air. On arrive à une autre crête, Catherine. Oh, super. Le sommet, tu crois ? Je sais pas si c'est là-bas. J'ai marre. Mais peut-être qu'on ne cherche pas les Martiens au bon endroit. Un camarade de fac avait une théorie très intéressante sur nos origines. Il disait que Mars a connu des conditions aussi favorables à l'apparition de la vie que sur la Terre. Et sachant que des météorites martiennes dégringolent sur Terre depuis les débuts du système solaire, vous vous souvenez, l'histoire des météorites SNC. On peut imaginer qu'un peu de tambouille organique martienne soit restée accrochée à une météorite et ait fait la balade jusqu'à la Terre. Résultat, jubilait-il devant les donzelles conquises avant d'abattre sa dernière carte, on est tous martiens. Plus tard, j'ai appris le nom de cette théorie, la panspermie, la genèse interplanétaire. Après tout, ce n'est pas plus improbable que l'apparition de la vie directement sur Terre. C'est donc en vrai martien qu'on s'est congratulé sur le toit de Mars. Et on a commencé le long voyage de retour, 4 mois, pour retrouver les vertes prairies de la Terre. Vaisseau spatial.